d'abord les premières personnes qui souffrent, ce sont les femmes et les enfants. Mais donc, depuis que cette guerre a commencé, alors que 2011, on avait vu les chiffres de victimes de violences sexuelles étaient en diminution nette, malheureusement, avec la reprise de la guerre, on voit que ces chiffres ont commencé encore à augmenter. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation avec cette guerre, c'est que on parle, tout le monde parle de M23, mais en fait, ce que nous remarquons, c'est que les groupes armés qui avaient déjà été démobilisés et qui n'existaient pas, ont repris leurs activités.